Bonjour. La présentation d'aujourd'hui porte sur l'Organisation américaine arabe du Nouveau-England, en abrégé NEAAO. Vos droits et responsabilités en matière d'emploi. La loi sur l'immigration et la nationalité. Elle interdit la discrimination dans l'embauche, le licenciement, ou le recrutement sur la base du statut de citoyenneté. Elle interdit la discrimination fondée sur le pays d'origine. Elle interdit aussi les pratiques déloyales lors de la documentation de l'admissibilité à l'emploi, c'est-à-dire demander des documents supplémentaires au-delà de ce qui est requis par la loi. La loi sur les droits de l'homme du Maine. Elle interdit à un employeur de discriminer sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'âge, d'un handicap physique ou mental, d'une prédisposition génétique, de la religion, de l'ascendance ou de l'origine nationale. La loi sur les droits de l'homme du Maine interdit également la discrimination en raison du dépôt d'une plainte ou de l'affirmation d'un droit en vertu de la Workers' Comp Act ou représailles en vertu de la loi sur les dénonciateurs. Qu'est-ce que le formulaire I-9? Pourquoi dois-je montrer la documentation? Tous les employeurs doivent valider que vous êtes autorisé à travailler aux États-Unis. Cela se fait via le formulaire I-9 accompagné de la documentation. Les éléments suivants servent de preuve que vous pouvez travailler aux États-Unis. Passeport américain ou carte de passeport américain. Carte verte, carte de résident permanent avec photo. Passeport étranger avec tampon ou mention I-155. Document d'autorisation d'emploi ou formulaire I-766. Ou un document de la colonne A et un de la colonne B. Les documents de la colonne A comportent permis de conduire avec photo, pièce d'identité avec photo et information, c'est-à-dire la taille, couleur des yeux, date de naissance, inscription sur les listes d'électeurs, pièce d'identité de l'école avec photo, carte de personne à charge de l'armée américaine, autorisation de l'employeur spécifique. Les documents de la colonne B comportent carte de sécurité sociale tant qu'elle ne dit pas ce qu'il suit. Non valable pour l'emploi. Valable uniquement avec autorisation INS. Valable uniquement avec autorisation DHS. Les informations sur votre I9 ne sont pas partagées avec le département de la sécurité intérieure. Le I-9 doit être rempli 3 jours après que vous ayez été embauché. On ne devrait plus vous demander de présenter les documents, à moins que l'un de vos documents n'ait expiré, par exemple le permis de conduire. Assurez-vous que vos documents sont à jour. En cas de perte, remplacez-les avant de postuler pour un travail. Un employeur peut utiliser E-Verify pour vérifier votre statut. Cela doit être fait après votre embauche. Si un employeur ne vous demande pas la documentation, sachez qu'il ne respecte pas la loi et qu'il pourrait y avoir des conséquences pour l'entreprise et pour vous. Qu'en est-il de mon diplôme, grade ou certification? Est-ce qu'il sera transféré de mon pays d'origine aux États-Unis? Ça dépend. De nombreuses professions comme la médecine, le droit, la garde d'enfants, le conseil et les postes scolaires nécessitent des certifications spéciales qui doivent être obtenues aux États-Unis. Certains certificats peuvent être transférés si l'employeur les reconnaît comme un point de mérite, c'est-à-dire les arts culinaires, la gestion d'entreprise, le design graphique, l'enseignement universitaire, ou l'enseignement en école privée.
Vérifiez auprès du département de l'État du Maine approprié pour savoir ce qui est requis. Vos droits en tant que travailleur. Mon employeur peut-il me dire quoi porter ou m'empêcher de porter quelque chose qui fait partie de ma religion ou de ma culture? Les employeurs peuvent avoir des codes vestimentaires. Le code vestimentaire doit s'appliquer à tous les employés. La plupart des employeurs autorisent et peuvent même encourager les vêtements culturels comme les saris, les pyjamas kurtas ou les couvre-chefs, mais ils ne sont pas obligés de le faire. Mon employeur peut-il me dire de ne pas porter le couvre-chef ou de ne pas pratiquer le hijab? L'article 7 de la loi fédérale sur les droits civils interdit à un employeur de licencier, de refuser d'embaucher ou de discipliner une femme en raison de pratiques religieuses telles que le hijab, à moins que l'employeur ne puisse prouver qu'il a offert un aménagement raisonnable ou qu'il encourait des difficultés excessives. Le 14e amendement interdit aux agences fédérales et étatiques de restreindre la capacité des femmes à pratiquer le hijab. Toute organisation qui reçoit de l'argent fédéral ne peut pas interdire la pratique du hijab. En 2016, les femmes musulmanes ont signalé 154 cas de discrimination ou de harcèlement à cause du foulard. Un employeur peut-il exiger de ses employés qu'ils parlent uniquement l'anglais? Un employeur peut exiger l'anglais uniquement pour certains emplois. Communication avec les clients et les collègues qui parlent anglais. Métier d'urgence où il est nécessaire que les employés se comprennent pour la sécurité. Des affectations de travail coopératif qui demandent d'un langage commun. Un employeur ne peut pas exiger d'un travailleur qu'il parle anglais pendant les pauses, le déjeuner ou dans les lieux de travail qui ne dépendent pas de la communication dans une langue commune. La discrimination sur le lieu de travail aux États-Unis est un crime. Les employeurs peuvent être condamnés à une amende ou même poursuivis. La charge de la preuve incombe à l'employé de prouver qu'il y a eu discrimination. Vous pouvez être confronté à plusieurs types de discrimination à la fois, tels que l'âge, le sexe, pays d'origine, couleur de peau. Toutes les formes de discrimination sont illégales et vous pouvez déposer une réclamation pour chaque type distinct. Une aide et une assistance juridique sont disponibles. Vous n'avez pas à souffrir en silence. C'est votre droit de construire un dossier basé sur votre expérience. Les insultes raciales, ethniques et autres, comportements physiques, verbaux ou offensants sont illégaux s'ils créent un environnement de travail intimidant, hostile ou offensant, interférant avec le rendement au travail ou empêchant les opportunités d'emploi comme les promotions. Nous avons par exemple des insultes, des railleries, des commentaires comme « retournez d'où vous venez », se moquer de l'accent ou de l'apparence d'une personne. Fatima a demandé un changement dans son horaire pour célébrer une fête religieuse importante. Son employeur a refusé de considérer sa demande, bien qu'elle puisse facilement être satisfaite. Ceci est une forme de discrimination religieuse et illégale. Mohamed est allé dans son pays natal pour une visite. Son patron a refusé de lui permettre de retourner au travail jusqu'à ce qu'il ait été examiné par un médecin. Le patron pensait qu'il avait peut-être contracté une maladie contagieuse
sur la base d'informations erronées et d'hypothèses sur le pays d'origine de Muhammad. À moins que le patron ne pense raisonnablement que l'état de santé de Muhammad met en danger la santé ou la sécurité de ses collègues, cette demande est illégale. Si Muhammad reçoit l'ordre d'être testé, tous les employés doivent être testés. Que signifie EOI? Equal Opportunity Employer. Ça signifie employeur d'égalité des chances. Les employeurs doivent embaucher sur la base du mérite et ne peuvent pas faire de discrimination fondée sur la race, la religion, la couleur, l'origine nationale, leur handicap, les informations génétiques, l'identité de genre, l'âge ou le sexe. Ceci s'applique à l'embauche, la promotion et la rémunération. Les employeurs sont tenus d'enquêter sur toute plainte de discrimination et de la résoudre rapidement. L'employé est responsable de porter la réclamation à l'attention de l'employeur et ne peut être puni pour une telle réclamation. OSHA, Administration de la sécurité et de la santé au travail. Les employés ont droit à un lieu de travail sûr et exempt de danger pour la santé et la sécurité. Les employeurs doivent suivre des règles et des lignes directrices pour assurer la sécurité des employés sur le lieu de travail. S'assurer qu'il y ait une ventilation adéquate et qu'il n'y a pas de vapeur toxique. L'équipement doit être sûr et entretenu pour éviter les blessures. Des règles doivent être affichées pour garder le lieu de travail propre et désinfecté. C'est-à-dire les employés doivent se laver les mains. Tout travailleur qui estime que le lieu de travail n'est pas sûr peut déposer une plainte. Que dois-je faire si je me sens discriminé? Vous pouvez contacter la Commission pour l'égalité des chances dans l'emploi au 1-800-669-4000 ou alors sur le site web https://www.eeoc.gov/fact-sheet/filing-charge ou encore contacter la Commission des droits de l'homme du Maine à l'adresse suivante 51 State House Station à Augusta, Maine. Zip code 04-333-0051 au numéro de téléphone 207-624-6050. Ils ont aussi un numéro de fax 207-624-6063. Protégez vos informations. Ne partagez pas votre numéro de sécurité sociale ou les informations de votre compte bancaire avec quelqu'un d'autre que votre employeur ou le gouvernement à des fins de dépôt direct des chèques. Si vous avez un dépôt direct ou des chèques de paye, assurez-vous de pouvoir accéder à une copie de chaque chèque de paye et vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur. Vous n'avez pas besoin de partager les informations d'assurance privée avec l'employeur, sauf si vous êtes un conducteur professionnel et une couverture spéciale est requise. Ne signez jamais un chèque sans montant en dollars. Considération additionnelle. Optez pour un chèque de règlement, pas un paiement en espèces. Payer un employé en espèces sans tenir des registres sous la table est illégal. Les employeurs doivent verser des indemnités pour accident du travail au cas où vous vous êtes blessé au travail. Si vous êtes blessé au travail, pas par votre faute, parlez-en à votre employeur et renseignez-vous sur le processus de dépôt.
Le salaire minimum dans le Maine est de 12,15 $ l'heure. Si vous avez un emploi qui inclut des pourboires, votre employeur peut vous payer moins de l'heure, mais votre taux horaire avec pourboire doit être d'au moins 12,15 $ de l'heure. Cette présentation a été produite en coopération avec Catholic Charities, la charité catholique. Merci.